Et voilà, je vous le disais en titre, notre compatriote Marie-Madeleine Ambarantou vient de recevoir la plus haute distinction honorifique. Il s'agit du titre de docteur honoris causa de l'Université d'Agadir au Maroc. La cérémonie de réception de ce prix dans ce reportage de Max-Olivier Aubin. L'entrée en salle du conseil scientifique, l'hymne national gabonais va retentir, repris en chœur par des compatriotes venus nombreux. Les choses sérieuses commencent. Le recteur justifiera devant l'assistance le choix du docteur Mborantou. Son Excellence, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle, chère assistance, dans la communauté universitaire internationale, la manière traditionnelle d'honorer ceux qui ont servi leur pays et contribué à son développement consiste à leur conférer le titre de doctorat honoris causa. Aujourd'hui, le comité scientifique de l'Université internationale d'Agadir, Universiapolis, est heureux et fier de vous décerner cette haute distinction honorifique. Vous avez fondé l'Institution internationale Bertingent pour l'éducation, la recherche, la culture et le développement durable. Cette institution est née de la volonté de promouvoir l'éducation comme facteur essentiel du développement du Gabon et plus largement de la zone Afrique. L'institution est résolument tournée vers l'international. Elle bénéficie de l'appui de la mission laïque française et soutient l'État gabonais qui la reconnaît d'utilité publique. Accompagné des salves d'applaudissements, la remise du docteur honoris causa va être pour Marie-Madeleine Mborantou un grand moment d'intensité. Vous me voyez tout ému parce que ce diplôme, il vient en fait témoigner de la reconnaissance de ce qu'on ne peut pas cacher. C'est pourquoi cette reconnaissance, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, elle est plus que tout ce que j'ai eu jusqu'à ce jour. C'est pour moi un motif de plus de m'engager encore plus dans la formation de l'homme, la formation des jeunes. Huitième personnalité mondiale à être honorée par l'Université internationale d'Agadir, cette haute distinction honorifique vient couronner une riche carrière professionnelle et scientifique. Et c'est le haut représentant du Gabon, près le royaume chérifien, qui a tenu à remercier au nom du Gabon l'État marocain et particulièrement l'Université d'Agadir.